Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Voici les titres. Remaniement du gouvernement Borne en France cette nuit pour nous. Parmi les secrétaires d'État, Sonia Backès, nommée secrétaire d'État en charge de la citoyenneté sous l'autorité de Gérald Darmanin auprès du ministère de l'Intérieur. Nos élus locaux ont réagi, vous les entendrez dans cette édition. Plus de 900 visiteurs au salon de l'orientation et de l'insertion professionnelle à Poindigny aujourd'hui. Pour cette 14e édition, 75 exposants, parmi eux des jeunes ou des élèves. Nous avons rencontré Abigail, venue présenter sa filière à ce que parler de jeune à jeune fonctionne. Vous le verrez dans cette édition. La maison du livre est-elle en danger? Ses subventions pourraient être supprimées dès l'an prochain. Certains acteurs de la filière livre mentent au créneau. Qu'en est-il vraiment? Réponse dans quelques instants dans le dossier de la rédaction. Même pour ceux qui sont valides, il y a peut-être des difficultés que nous, personnes en situation de handicap, on ne se rend pas compte. On peut faire des choses, il faut juste se donner les moyens. Et enfin, il faut se donner les moyens. Donc, même en situation de handicap, Joanne, 36 ans, nous encourage. Nous vous proposons son portrait à l'occasion de la manifestation internationale qui a pour thème handicap, jeunesse et vie sociale. Elle a commencé aujourd'hui à Nouméa. Politique. Pour ouvrir cette édition, 2 semaines après les législatives, l'exécutif a procédé hier à son premier remaniement ministériel, nommant ainsi un gouvernement Borne 2 en France. Alors quels sont les grands changements de ce nouveau gouvernement? Réponse avec Stéphanie Marlier. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a pris de l'embonpoint, passant de 27 à 41 postes, comme le rapporte le magazine hebdomadaire économique français Challenge. La parité y est respectée, 21 hommes et 21 femmes le composent, en comptant la première ministre, sachant que ces dernières sont surreprésentées au poste de secrétaire d'État, comme on peut le lire dans les colonnes du magazine d'actualité hebdomadaire français L'Express. La présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès, en fait partie, nommée hier comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, comme le rapporte le site internet de la chaîne de télévision française CNews. Mais ce n'est pas la seule nouvelle entrée. Une vingtaine de ministres sont novices à leur poste. C'est le cas de l'ancien urgentiste François Braun, nommé ministre de la Santé, du patron de la Croix-Rouge Jean-Christophe Cambe aux solidarités et personnes handicapées, de Caroline Cailleux aux collectivités territoriales, de Carole Grandjean à l'enseignement et formation professionnelle et enfin de Laurence Boone aux affaires européennes. Autre grand changement, le ministère des Outre-mer passe d'un ministère de plein exercice à un ministère délégué. Il dépend maintenant du ministère de l'Intérieur. Ainsi, l'ancien préfet Jean-François Carenco est devenu ministre délégué en charge des Outre-mer auprès de Gérald Darmanin. De nombreux députés ont été nommés ministres, comme Roland Lescure, nommé à l'Industrie, ou encore Olivier Becht, nommé ministre délégué chargé du commerce extérieur. Ce nouveau gouvernement compte également davantage de ministres issus de formations alliées à la majorité présidentielle. Ainsi, 4 ministres représentent le MoDem de François Bayrou, le mouvement Horizon d'Édouard Philippe compte désormais 2 représentants et enfin le mouvement Agir occupe quant à lui 3 postes. Finalement, ce remaniement ministériel est sans tambour ni trompette, comme on peut le lire dans les colonnes du site de la chaîne de télévision française d'information internationale France 24, car ce dernier, je cite, même s'il est pour partie renouvelé, il offre peu de surprises car il reste centré autour des figures de la Macronie. Voilà, et vous venez de le voir, Sonia Backès a été nommée secrétaire d'État en charge de la citoyenneté sous l'autorité de Gérald Darmanin auprès du ministère de l'Intérieur. Sur son compte Facebook, elle déclare qu'elle est heureuse de travailler aux côtés de Gérald Darmanin. Elle dit aussi qu'elle conservera, je cite, son mandat local à la province sud. Au pays, les réactions ne se sont pas fait attendre. On écoute Jean-Pierre Djaïwe, porte-parole du PALICA, suivi de Guy-Olivier Cueno pour l'avenir en confiance. Les choses risquent de se compliquer davantage parce qu'encore une fois, l'État marque par la nomination de Mme Backès au secrétariat d'État sa volonté de maintenir coûte que coûte la Calédonie dans la France. L'impartialité de l'État et des membres du gouvernement de la France commanderait à ce que Mme Backès ne s'occupe pas du dossier calédonien. Bah,
il s'agit d'une récompense personnelle pour un engagement personnel hein, auprès d'un parti présidentiel dont il faut bien l'avouer, les promesses électorales sont en contradiction avec les attentes des Calédoniens. Et se pose surtout le problème du cumul. Cumul du mandat de présidente de la province sud, poste exécutif qui nécessite des activités sur place au quotidien et des fonctions ministérielles à 20 000 km. Je crois que les Calédoniens ont donné leur confiance à des élus locaux, pas à des élus délocalisés. Voilà des propos recueillis par Duc Menango. De leur côté, Calédonie Ensemble, Génération ANC, Christopher Gigès ont félicité la présidente de la province sud pour son nouveau poste et sollicité l'Union calédonienne. L'éveil océanien n'ont pas répondu à nos demandes. Pour l'Outre-mer, c'est l'ancien préfet qui a été nommé lundi ministre des Outre-mer en remplacement de Yael Braun-Pivet, élue récemment présidente de l'Assemblée nationale. Alors, qui est Jean-François Karengo? Les précisions d'Audrey Poidi. Né en 1952, Jean-François Karengo a suivi des études de droit avant d'intégrer HEC, puis l'ENA en 1979. Si son CV témoigne d'une solide expérience de haut fonctionnaire, c'est à l'âge de 69 ans qu'il endosse pour la première fois des responsabilités politiques. Jean-François Karengo a été préfet pendant plus de 20 ans dans diverses collectivités, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1996 ou encore en Guadeloupe 3 ans plus tard. Au total, il a écumé près d'une dizaine de préfectures avant de devenir préfet de la région Île-de-France entre 2015 et 2017. Ancien collaborateur de Jean-Louis Borloo, il a été plusieurs fois son directeur de cabinet. La première expérience de Jean-François Karengo avec la Nouvelle-Calédonie remonterait à 1988 selon nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes qui indiquent qu'il aurait occupé le poste de secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat à cette époque, puis de secrétaire général en 1990. Le nouveau locataire de la rue Audinot est le 42e ministre ou secrétaire d'État à occuper ce poste sous la 5e République. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet. Formation à présent, plus de 900 visiteurs ont sillonné les allées du Sofip à Poindimier pour cette 14e édition. 75 exposants ont répondu présents dans le lycée professionnel François d'Assise de Bouraille. Nous avons rencontré Abigail Apiazari, venue présenter sa filière. Un reportage de notre journaliste de la Côte Est, Aurélie Chéran. Abigail présente ce qu'elle étudie dans son lycée. Son rôle aujourd'hui est d'informer les visiteurs, un exercice qu'elle met en œuvre dans le cadre de sa formation au métier de l'accueil. Elle est en première et a été sélectionnée pour accompagner les terminales au Sofip. Quand tu arrives, il y a une personne qui vient et puis après il y a tout le monde qui suit. Du coup, c'est dur à parler à plusieurs personnes en même temps. C'est rare que je parle avec beaucoup de personnes comme ça. Du coup, là, j'ai appris à gérer plusieurs personnes en même temps. Le lycée professionnel François d'Assise compte parmi les 72 exposants du salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Pendant 2 jours, les établissements scolaires viennent y promouvoir leur filière et trouver de nouvelles recrues. L'occasion aussi pour certains de mettre leurs étudiants en pratique. Vous allez au stand des BTS. Il est derrière, c'est celui qui est le plus humain. Et là, vous présentez en étant élève du LPFA. Alors pour les jeunes, pédagogiquement, c'est important. C'est un salon, c'est plus de 2000 visiteurs, si ce n'est pas plus. Donc c'est une situation concrète de leur formation. Voilà. Donc c'est hyper important. Certaines compétences sont évaluées aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'accueil et donc en rapport avec l'organisation du Sofip. Et après, comme tous les autres établissements de la province sud, de la province nord et des îles, on présente notre stand, on fait la promotion de nos filières, nos différentes filières. La 14e édition du Sofip se poursuit demain. Sur place, les possibilités de formation, les aides existantes et les dispositifs d'insertion professionnelle vous seront présentés. On reste avec les jeunes. Le collège de Thiau a été labellisé établissement public de Nouvelle-Calédonie, prometteur de santé. Une récompense pour cet établissement qui voit les fruits d'un travail auprès des élèves. Un reportage de notre journaliste du centre, Vanessa Kédé. Le baby-foot est une des nombreuses activités proposées aux élèves pendant la pause méridienne.
Dorlan est en quatrième et ça fait 3 ans qu'elle participe à ces activités. C'est net, j'aime bien parce que ça nous occupe le temps de le temps avant manger. Mais c'est net, on aime bien jouer au baby-foot. À BMA, Aller mieux pour mieux apprendre est un dispositif de promotion de la santé en milieu scolaire et a été mis en place en 2019 ici, au collège de Thiot. Plus d'une vingtaine d'activités ont été proposées, telles que la pétanque, le tressage, la musique ou encore le jeu d'échecs. Pour les élèves en difficulté scolaire, des ateliers de lecture leur sont dédiés 2 fois dans la semaine. L'opération Silence on lit pour permettre aux élèves de lire en silence des revues, des bandes dessinées, des romans qu'ils ont choisis au préalable avec l'aide de la professeure documentaliste, Madame Toulangui. Et ça a un très grand succès. Également des ateliers fluence pour les élèves, pour améliorer la lecture des élèves. Un certain nombre d'élèves ont du mal à lire suffisamment de mots à la minute. C'est pour leur redonner confiance, leur montrer qu'ils sont capables dans des ateliers, alors qu'en cours ça serait difficile, eh ben, d'être autonome, dynamique, montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Il y a également des ateliers sur la compréhension et des soutiens en mathématiques. La mise en place de ces ateliers est née à la suite d'un constat fait au sein de l'établissement sur le comportement des élèves. Par la suite, les professeurs, les élèves comme les intervenants réfléchissent ensemble de manière à trouver des solutions. Ces actions sont animées par l'équipe enseignante, des intervenants extérieurs tels que la mairie ou encore les artistes de Tchor. On a noté de fortes améliorations par rapport à ce qu'on avait vu en 2019 jusqu'à maintenant, en 2022. On a vu que voilà, les automatismes ont été créés dans le comportement, et dans surtout la réflexion et puis après, on dirait le bien de soi-même. Le 13 juillet, les parents d'élèves seront invités à prendre un café au sein de l'établissement pour échanger sur le thème du prochain projet qui portera sur la violence verbale et physique dans le collège, mais parce que cette violence touche aussi les tribus et les quartiers. Voilà, vous l'avez entendu dans le précédent sujet, des ateliers lecture sont organisés pour les élèves en difficulté. À Nouméa, certains acteurs de la filière livre montent au créneau car la maison du livre pourrait voir ses subventions supprimées dès l'an prochain. Selon eux, c'est tout le secteur du livre qui est en danger de mort. Qu'en est-il vraiment? Nous sommes allés à leur rencontre dans le dossier de la rédaction. Question d'attendre que le coup prétombe, à la Maison du Livre, on se mobilise déjà contre la suppression des subventions en fin d'année. La survie de l'association en dépend. La difficulté aujourd'hui, c'est de payer le fonctionnement de la Maison du Livre, même si on a un tout petit fonctionnement. Maintenant, les budgets sont tellement restreints que voilà. Et en fait, notre difficulté, là où on alerte, c'est que si ce poste à la Maison du Livre disparaît, en tout cas si la Maison du Livre disparaît, bah, c'est toute l'économie du livre derrière qui risque d'être mise à mal, qui est très très fragile. Et moi, je dis toujours que l'économie du livre, c'est une économie comme les autres, qui en plus est vertueuse, parce que derrière, il y a de l'éducation, parce que derrière, on apporte un savoir, on ne vend pas des aspirateurs. Et du coup, on aurait tout intérêt à développer cette filière. D'un point de vue économique, on la développe pour l'agriculture, on la développe pour l'agroalimentaire. Pourquoi on la développerait pas pour le livre? La Maison du Livre organise chaque année le SILO, le Salon International du Livre Océanien. Elle offre aussi de la visibilité aux auteurs ou aux éditeurs locaux qui publient ensemble environ 10 ouvrages par an. Alors la perspective de la fermeture de la Maison du Livre mobilise tout le secteur. Oui, pour moi, ce serait un vrai problème tout de suite, immédiatement. Il y aurait un impact en termes de visibilité, justement, en termes de lien aussi entre différents partenaires. Donc tout ça, c'est très utile et je ne pourrais matériellement pas le faire toute seule, c'est certain. J'ai publié des auteurs grâce à la Maison du Livre parce qu'ils m'ont renvoyé ces personnes et effectivement leur texte m'a plu et j'ai pu les éditer. Du côté du gouvernement, on envisage à minima de revoir les missions de la Maison du Livre. Pour autant, le manque de subventions se fera sentir, c'est une certitude, comme dans le reste du secteur culturel.
L'objet, c'est que le développement culturel, c'est aussi et surtout la compétence des provinces. Donc il faudrait peut-être aussi que la maison du livre se tourne vers les trois provinces. D'autre part, il ne faut pas qu'on néglige aussi l'apport de l'ensemble des acteurs de terrain qui font de la pratique tous les jours sans forcément avoir besoin de financement. Je pense aux sculpteurs qui est sur Audio, je pense aux différentes mamans qui tressent sur les îles par exemple. Voilà, ils participent aussi au fait de pouvoir continuer à valoriser notre patrimoine culturel et investir plusieurs espaces de diffusion, de création, avec pas forcément un besoin de financement. Donc voilà, ça doit aussi quelque part nous servir de leçon dans les moments durs. Ma motivation, c'est de permettre à des auteurs calédoniens de s'exprimer, de donner leurs pensées, de donner à voir, à entendre leurs pensées, leurs mots. Et ça, c'est incontournable. On ne pourra pas arrêter de faire ça, c'est pas possible. D'ailleurs, dans votre émission « Ça vous parle », ce soir, on se penche sur les finances du monde de la culture et des artistes. Manuel Touraille, directeur du REX, Ludovic Luthez, plutôt scénographe et vice-président du syndicat, seront les invités de Blandine Guy, et juste après cette édition. Handicap, jeunesse et vie sociale, voici les thèmes de la manifestation internationale organisée localement par le collectif Handicap à partir d'aujourd'hui. Conférences, films, expositions, autant d'occasions d'appréhender la question de l'intégration à la vie sociale des jeunes en situation de handicap. Et à l'occasion du lancement de cette semaine d'atelier, nous avons rencontré Joanne qui expose ses peintures durant la manifestation. À 36 ans, il a décidé de se consacrer à l'art et à la sensibilisation du grand public. Un reportage d'Océane Dacunia et Corentin Moge. J'ai décidé que ça serait l'art. Moi, je vis très bien mon handicap. Donc, j'ai jamais marché. Donc, même pour ceux qui sont valides, il y a peut-être des difficultés que nous, personnes en situation de handicap, on ne se rend pas compte. On peut faire des choses. Il faut juste se donner les moyens. Ah là, c'est vraiment l'instinct que je fais. Ouais, mais tu vas voir, ça va être sympa. Là, on est aux ateliers du Faubourg. Ça fait 10 ans que je pratique de la peinture, de l'art plastique. Et j'ai toujours aimé l'art en général. Ça fait du bien de lâcher prise et ça permet de s'évader un peu du quotidien. Comme ça, tu vois? Ouais, je pense que... Tu préfères? Ouais. Okay. Et toi? Moi j'aime les deux. Trop doux. Moi j'aime pas faire comme les autres, j'aime sortir un peu du moule. Et j'aime bien parler du handicap aussi. Parce que mon handicap il est là, donc faut en parler. Mais faut pas en jouer. Il est comme tout artiste, il a une écriture. Il est très libre. Il lâche prise, ça c'est une grande, grande qualité. Alors je ne sais pas si c'est dû à son handicap ou si c'est dû à son caractère, c'est sûrement un mélange des deux, mais cette capacité à lâcher prise, il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient l'avoir. Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie, voilà. C'est ça le message aussi que je veux faire passer, c'est qu'il faut faire ce qui nous plaît dans la vie. Voilà. Une centaine d'arbres endémiques de la forêt sèche ont été plantés ce matin par les élèves de l'école primaire de Marie Courteau. Objectif, sensibiliser les élèves à la préservation de l'environnement et à la sauvegarde de la forêt sèche. La forêt sèche calédonienne est en voie de disparition. Un reportage de Michel Pimbé. On a vu en classe que, en fait, avant, il y avait de la forêt sèche jusque dans le parking de l'école Gervolino. Et donc là, on va essayer de lui redonner un petit peu plus d'espace. Voici la classe de Lily aujourd'hui. Cette forêt sèche se trouve derrière son école. Avec ses 43 camarades, chacun doit planter deux arbres endémiques pour agrandir et préserver la forêt sèche. Pour planter, il y a 4 étapes, d'accord ? Ces 4 étapes, il faut à tout prix les respecter et je compte sur vous pour être consciencieux, méthodique et faire ça avec tout votre cœur. Une fois les explications données, place à la pratique.
Donc là, j'ai mis la gelée et là, je suis en train d'un peu mélanger avec la terre. On a beaucoup appris les insectes, comment on a appris les différentes espèces d'arbres endémiques à la Nouvelle-Calédonie, voilà. Oui, c'est un petit insecte qui est dans le sol, mais écoute, on va le mettre sur le côté. On le laisse parce qu'on a besoin d'insectes pour les oiseaux, pour tout. Hein. Même si les gestes et le vocabulaire sont hésitants, la leçon du jour est retenue. Avec cette activité, les élèves éveillent leur conscience environnementale. C'est le cas de Jonas. Parce que dans toute la Nouvelle-Calédonie, on a 2% maintenant de forêts sèches et c'est important d'en planter. Au niveau pédagogique, on est sur l'étude de la forêt sèche, on est sur l'étude de la plante, c'est-à-dire tout ce qui est en SVT, les besoins des plantes, les nutritions, peut-être la photosynthèse abordée en fin de CM2. Et on est sur, au-delà sur un espace protégé à transmettre aux générations futures pour qu'eux prennent notre relais et continuent d'entretenir, de prendre soin, de connaître cette forêt sèche. Une douzaine d'espèces de plantes endémiques à la forêt sèche ont été plantées. Une manière ludique et amusante de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Ainsi s'achève cette édition. Je vous le disais, après le journal, votre émission « Ça vous parle ». Ce soir, donc, on se penche sur les finances du monde de la culture et des artistes. Manuel Touraille, directeur du REX, et Ludovic Lutiès, scénographe et vice-président du syndicat, seront les invités de Blandine Guillet après cette édition. Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.